pas ici, dans une course ici en Bretagne, la Grèce. C'est un très beau peloton, les coureurs sont très motivés, ils font de beaux spectacles. C'est vraiment un plaisir de suivre ces courses-là. C'est curieux parce que c'est quand même un peloton de. Maintenant, il reste 160 coureurs, mais c'est formidable, qu'est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'espoirs dedans. C'est pas en vue, parce que déjà cette année dans le Tour, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Bon, normalement, ça va continuer, le progrès qui ne s'arrête pas. Avec ces courses comme ici, comme beaucoup d'autres courses qui donnent la chance à des jeunes pour s'exprimer, pour se développer, c'est formidable. Le Tour de France est toujours exceptionnel pour le public. Bon, pour l'Angleterre, c'est tourneur. Il y a sincèrement beaucoup de spectateurs qui sont venus voir de que le Tour. Plus, bon, il y a des Anglais qui marchaient avec Cavendish, avec Froome, avec Wiggins. Mais bon, moi, ça donne un coup de pouce à des Anglais. Mais je ne vais pas dire, moi j'ai vu ici dans la course en Bretagne, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière et qui sont en train de pousser pour venir pro. Et plus tard, un Tour de France, j'espère.
Français qui devra bouger suite au premier classement général que l'on va établir dans quelques kilomètres. Thank you.
plus à tôt sur les commandes avec le passage, et ce, à un tour de le passage. Tu vois avec la dernière, avec le coureur Véronée qui est en train de finir le tour du mois. Passé parce qu'il y a une victoire d'étape quand même. Après, ça laisse de la bagarre et du suspense quand même parce qu'il y a un groupe du peloton qui est rentré juste au dernier kilomètre. C'est vrai qu'au début d'étape, on s'est dit avec 4 minutes 25 coureurs, ça y est, le général est déjà fini. Là, non, ça a insisté derrière. Devant, ça s'est peut-être un peu fatigué parce que bon, le circuit en presse-braise, c'est toujours vallonné, il n'y a pas un mètre de plat. Donc à la fin, c'est vrai que ça casse pas. Ça a permis à un petit groupe de rentrer et donc ça laisse quand même du suspense. Il y a 40 coureurs qui sont à peu près à 30 secondes. Donc pour les prochains jours, ça, je pense qu'il y aura de la belle bagarre et on aurait dû voir quelques Français quand même en région bretonne.